Oui, bonjour mesdames et messieurs. Alors, une petite vidéo sur la télékinésie. Alors, certains y croient pas. Alors, j'ai trouvé cette vidéo, hein, une expérience, bouger un objet simplement avec la pensée. Hein. Cette vidéo a été produite pour montrer l'expérience. Hein. Donc voilà, c'est une sorte de petite pyramide en carton, hein, juste le chapeau. Hein. Elle est posée sur une petite aiguille qui est enfoncée dans une gomme et mise à l'intérieur d'une cage en verre pour éviter tout contact avec l'air ou autre élément qui permettrait de faire tourner cette petite pyramide. L'objet va commencer à bouger tout seul. On voit bien que la pyramide tourne sans contact humain, sans rien. Alors c'est assez étrange comme phénomène. Voilà la pyramide, on voit la petite gomme qui est posée sur la table et il y a une aiguille qui porte ce petit chapeau pyramide, brillant d'ailleurs. Alors je ne sais pas si c'est de l'alu ou alors ça fonctionne simplement avec la physique, avec la chaleur qui est dégagée dans la cage en verre. Mais c'est une expérience de télékinésie. Télékinésie, c'est faire bouger un objet simplement avec la pensée. On agit, on pense fortement que ça bouge et ça bouge. Voilà, chacun croira ce qu'il veut. Donc la personne maintenant va ôter l'objet. Vous voyez, il est dans la cage en verre. Il va enlever le chapeau qui est sur la cage en verre et il va démonter pièce par pièce l'objet en question. Voilà, il enlève le chapeau, il récupère la petite pyramide en papier et on voit bien qu'il y a une gomme et une aiguille. Voilà, une aiguille plantée qui permet de poser la pyramide sur ce petit support. Voilà. Alors, est-ce que c'est de la physique? Est-ce qu'il y a un trucage? Je sais pas, je pourrais pas vous dire, mais c'est quand même assez curieux comme expérience. Cet objet qui se met à tourner tout seul sur l'aiguille, hein, sans contact. Il n'y a pas de moteur, il n'y a rien, on voit bien que c'est très très simple comme montage. Donc, il a été mis dans cette cage en verre justement pour montrer l'expérience. Voilà messieurs, dames, pour cette vidéo. Salut !